Dans le conseil municipal du 4 février, il y a trois délibérations qui méritent une attention particulière. La première, c'est une délibération qui concerne le dispositif « J'apprends à nager ». Nous nous sommes aperçus qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne savaient pas nager, notamment en classe élémentaire. Donc nous mettons en place un dispositif qui s'appelle « J'apprends à nager », qui sera destiné aux enfants de CE1 qui fréquentent nos accueils de loisirs et qui leur permettra d'apprendre les pratiques de la natation de façon totalement gratuite puisque la ville prend en charge le coût du stage. La deuxième délibération concerne le dispositif citoyen dans ma ville. Il s'agit d'un dispositif qui permet à la ville de financer les projets d'un certain nombre de Mantaises et de Mantais, notamment ceux qui souhaitent avoir un projet d'insertion professionnelle ou partir à l'étranger. En échange d'un engagement de 20 heures au sein d'une association qui conventionne avec la ville, nous finançons une partie de ce projet. La troisième délibération concerne le plan local d'urbanisme intercommunal. Il s'agit d'un texte réglementaire qui dit sur toute la communauté urbaine Grand Paris-Seine-et-Oise ce qu'on a le droit de construire et dans quelle zone. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de dialogue et la délibération qui a été votée en conseil municipal est la liste des points que nous portons à l'attention de la communauté urbaine. Le plan local d'urbanisme est un texte très complexe. Notre travail à la mairie de Mantes, en lien avec mon adjoint Jean-Luc Santini, repose sur deux convictions. La première est qu'il nous faut respecter l'identité de chaque quartier tout en permettant la construction de nos équipements publics. Cette délibération a été votée. Ce dialogue va se poursuivre tout au long de l'année civile. Ce plan local d'urbanisme intercommunal fera l'objet d'une enquête publique et nous reviendrons vers vous dans les prochaines semaines pour vous expliquer quartier par quartier ce que nous souhaitons.